L'oratorio, le déluge universel, signifie pour nous beaucoup de choses. C'est un message qui prend vie aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit comme catastrophe naturelle aussi, que ce soit au Japon, au Chili. La terre s'exprime, comme c'est toujours exprimé, avec la même force. Falvetti, avec ses déluges universels, il a imaginé comme une musique de film laquelle était la musique de Noé dans l'Arche. Je pense que ce type de musique est très forte dans ses déluges parce que lui, il décrit avec des différents instruments et différentes harmonies avec les chants comment il imagine que la musique de l'Ancien Testament était. C'est une musique qui exprime les différentes émotions de mort et d'amour, de tristesse, d'abandon que l'être humain a vécu à travers les siècles et la relation qu'a l'être humain avec les pouvoirs des dieux et de la nature. On devrait se demander quel est le message de ces déluges, pourquoi on est là, quelles limites on a par rapport à la nature, par rapport à tout ce qui nous entoure.